Et on est reparti. Donc les poutres, là, on va faire ça en 2 minutes. J'ai bien fait de les amener, hein. J'ai bien fait. Il y en a peut-être ailleurs sur la map, mais... comme ça, c'est fait. Tiens, bah, il y en a juste derrière, je crois. Il y en a juste... Ah bah non, je les ai peut-être déjà pris, je crois. Non, celle-là, on pouvait pas les prendre. Il y avait un truc de bois ici, mais je crois que celle-là, d'ailleurs. Pourquoi celle-là, on peut pas? D'autres, on peut. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je comprends pas trop comment ça... Comment c'est sélectionné, c'est... Est-ce que c'est buggé? Je ne sais pas. Aïe. Bon, on va essayer de pas le retourner celui-là. Ah, par contre, j'ai plus d'essence. Ah, j'en prendrai au Azov, tiens. Je vais lui prendre quelques litrons. Peut-être sur le retour. Il y a de quoi faire l'aller-retour là. Je vais lui prendre un petit litron ou deux. Vu qu'il faut que je retourne chercher des trucs. Et puis peut-être que je le renverrai peut-être à la maison du coup. Après. Ça glissouille un peu quand même. Donc des tuyaux petits, il va m'en falloir 6. Il va me falloir 6 rondins de rouleaux de métal là, à la con. Ah, faut livrer là-bas maintenant. D'accord, il y a plusieurs zones de livraison. Ok. Hop. On est reparti. Si toutefois, je ne me trompe pas de vitesse. Pas de petit message YouTube. Pas de petit message YouTube. Je peux peut-être mettre les vidéos en ligne. Ça l'est, je peux mettre les vidéos en ligne. 189. 190. 191. Et 192. Voilà. Zap. Oula, 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 oula. Faire le plein. 90 litres devrait suffire et puis on va te laisser le reste. Allez, go. Bon, bah du coup, j'ai pris de l'avance sur la mission suivante, quoi. C'est pas grave. Bon, par contre, il y aura ces cabanes de merde à fabriquer encore. Ouais, 4 cabanes à fabriquer. Faudra que je vois où est-ce qu'il y a des planches de bois. Je crois que les planches de bois, je peux en récupérer des pas trop compliquées. Je crois qu'il y en a à l'entrepôt qui est à côté de mon garage de la première map. Je sais pas s'il n'y en a pas 6. Il y a peut-être moyen que je les récupère pour me faire mes dernières cabanes, là, vu qu'il m'en faut 10 quand même, je crois. Ah, il m'en faut 10 quand même, hein. Ouais, bon, c'est toujours ça de prix, mais...
Si je trouve une maison où je peux ramasser du bois, ça me ferait les 8 pour avoir deux camions complets. Et puis ça ferait toujours ça de fait. Ah bon. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on va tourner un petit peu sur la première et sur la deuxième map cette fois. Que ce qu'on va trouver va faire le taf. 4 briques, 4 blocs de béton. Les blocs de béton, je crois qu'il y en a au nord. Hein. Je crois que les blocs de béton, il y en a au nord. Il y a trop de trucs au nord. Hein. Va falloir faire plein d'allers-retours. Ça y est, on y est. Hein. On y est dans les allers-retours de cette map. Hein. Cette fois, c'est son tour. Hein. Ah. Allez, t'es dedans. Ah, tu m'énerves. Voilà, les poutres, ça va être fait en 2-2. Ensuite, il y a les briques. On va essayer de regarder où est-ce qu'on peut trouver des briques. Il m'en faut 4. 2 maisons et j'ai mes briques. Ça peut être intéressant. Et vite fait. Ça fait un camion de briques et un camion de blocs de béton. Ah, c'est intéressant ça. Je peux même venir de la première map, mais ça fait loin. Blocs de béton, il y en a peut-être au nord aussi. Donc ça fera un camion de blocs de béton et un camion de briques. Ah, ça pourrait être intéressant si je trouve ça, hein. Ça fait 2 camions et les tuyaux moyens, ça fait 1 camion et demi. Et ça serait torché. Ça pourrait être très vite fait. Ça me choque même que ça se fasse si vite, on verra. On verra. Ça va peut-être très mal se passer aussi. Hein. À force de l'ouvrir, il y a des chances. Ça c'est fait. Voilà. Ah, j'ai bien fait d'amener des poutres. Hein. Du coup, de m'être planté, ça va. J'ai un petit lot de consolation. Voilà. Je les ai pas amenés pour rien. J'ai bien fait de pas faire n'importe quoi avec. C'est parfait. J'ai bien fait de pas m'emmerder, les avoir ramenés à perpète, je sais pas où, là, pour devoir les re-ramener ici. C'est parfait. J'ai même pas regardé. Coup de chance. Pour une fois, ça fait du bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, où est-ce qu'on peut trouver de la brique? Il y a des cloisons en brique. Ouais, ça fait un peu loin, les gars. Entrepôt, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ciment, ah, brique, 3. Ah, super, merci, 3, c'est génial. C'est trop. Cloison en bois, ouais, il y en a un petit peu partout, d'accord. Ouais, on verra plus tard. Zone résidentielle, cloison métallique, entrepôt. Ciment, rouleau de métal, poutre en métal, consommable, rouleau de métal, ouais, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Et celui-là, ciment, rouleau de métal, ah, tuyau petit. Ah, c'est des moyens, merde. Pas de bol. De toute façon, des rouleaux de métal, ça sera intéressant. Donc, par contre, j'ai pas de briques. Si ça se trouve, il n'y a pas une usine de construction. La cimenterie, ça se trouve, elle peut créer des briques.
Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Je le sens comme ça, il y a peut-être moyen. Du coup, maison en briques. Oh, j'ai pas croisé une maison en briques du tout là, les gars. Il y a quelques cabanes là-bas. En espérant que ça bug pas. Une maison en briques, il n'y en a pas une. Là, c'est en bois. D'ailleurs, j'ai pas vu de bloc de béton non plus. Cloison métallique. Cloison en bois. J'ai pas vu de bloc de béton. Ah, c'est pour ça qu'il y a une cimenterie. Ah oui. Donc je peux créer les 4. Je peux créer les 4 blocs de béton. Ouais, il faudra que je monte. Ciment, ouais, je m'en fous ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Ici, il y a le ciment. Donc 4 pour 4. Et je me crée les blocs de ciment. Il y a les briques. Ça se trouve, je peux créer des briques. Je peux peut-être aller au-dessus, hein. Je peux peut-être aller au-dessus et je vois ce qu'on peut faire. Puis si je croise une maison en briques, va bien en avoir une quelque part. Je suis quasi sûr d'en avoir vu une, hein. Je ne connais que les Gundam Wing. Pas mal ta collecte. Bah merci. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'en France, à part Gundam Wing, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Hein. C'est vraiment dommage parce que c'est des mangas vraiment. Toutes les séries ne se valent pas, hein, les Gundam. Mais il y en a certaines, elles sont. Waouh. Si tu veux regarder une série Gundam, je te conseille Gundam Seed. Je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure. Après, il y a une suite, Gundam Seed Destiny, mais qui n'est pas nécessaire pour comprendre. Et elle fait un petit peu fan service à recommencer un petit peu les mêmes choses, mais elle est très cool. Il y a des super scènes. C'est pas le même charme que du tout que le Gundam Wing, par contre. Hein. Chaque série a vraiment ses personnalités, et parfois pas du tout la même. Hein. Alors là, il y en a qui sont un peu kitsch et tout. T'as pas kiffé Gundam Seed? Ah ouais, bah, ça arrive, hein, chacun son style après. Hein. Mais je sais pas, je pense que c'est l'une des plus aimées, Gundam Seed. J'ai vu les Seeds et je sais pas, j'ai pas accroché. Ouais, non, mais ça arrive, hein, ça arrive. T'as joué à des jeux Gundam, toi? Enfin, j'en ai fait quelques-uns. Tu connais pas Gundam Seed? Bah franchement, enfin, tu loupes un truc. La preuve, hein, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas ce qui me déplaisait dedans. Après, t'en as regardé beaucoup ou pas? Parce que des fois, ça peut mettre un peu le temps à venir. Hein. Le début est un peu spécial. Hein. Aucun jeu. Ah, moi j'en ai fait quelques-uns. Les Dynasty Warriors Gundam que j'ai adoré. Ils sont tellement cool. D'ailleurs, le Heavy Arms, il est dans Dynasty Warriors Gundam 3, je crois. Je crois. Ici, c'est pour fabriquer. C'est pour fabriquer quoi ici? Cabane. Ouais, bah, on verra plus tard les cabanes. Dynasty Warriors Gundam 3, je crois qu'il y a le Heavy Arms. Ah, c'est un pur kiff ces jeux quand t'aimes Gundam. Je suis pas trop les Dynasty Warriors, c'est pas trop mon truc, mais alors ceux de Gundam, sont géniaux. Gundam Seed, c'est Goldorak. Ah non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Tu cherches la merde là, non, non. Non, non, c'est pas du tout ça. Par contre, t'as peut-être vu qu'il y a un robot qui se divise en plusieurs morceaux. Mais ça, c'est dans Seed Destiny d'ailleurs. C'est le Impulse. Je crois que le strike. Ah si, le strike, il fait peut-être ça aussi. Non, je crois que c'est que le impulse. Je sais plus. Si, le strike fait peut-être aussi ça. Mais je suis pas sûr de mon coup là. Ça remonte un peu et c'est pas ce que j'ai retenu le plus.
Je pense que c'est le fait que ce soit les mêmes personnages. J'étais très accroché à trop. Ah bah oui, mais comme je t'ai dit, chaque série est différente. Il n'y a que certaines séries qui reprend les mêmes persos, notamment Seed, Seed Destiny, Gundam 00, il y a deux saisons. Les débuts des Gundam se suivent. Gundam 0079, si je dis pas de bêtises. Gundam Z et Gundam ZZ. Mais sinon, chaque série... Merci pour le poteau. Chaque série, il y a des nouveaux personnages. À peu de choses près, du coup. Il y a Char Counters Attack aussi qui reprend les premiers personnages. Il y a une ou deux trames de fond, en fait, si tu veux, et mais il n'y a aucun lien entre elles. Parfois, les robots n'ont pas du tout les mêmes comportements. La preuve avec Gundam Wing et Gundam Seed, où les robots vont super vite, sont quasiment invincibles dans Wing et pas du tout dans Seed, des choses comme ça, vraiment. Tout change vraiment du tout au tout, des fois. C'est assez impressionnant. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Je sais pas ce que je peux prendre en premier. Hein. Ah, puis les briques, elles sont à un endroit où ça m'arrange pas des masses. Hein. Mais bon, faudra bien que j'y aille un jour. Je sais plus si je croise des briques quelque part ou si je confonds avec la première map. Je l'ai tellement fait à force. Oh 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 oh. Y'a que dans Saint Seiya, le changement de personnage m'a pas dérangé. Après, il faut s'y faire. Tu découvrirais peut-être d'autres personnages, je sais pas combien de temps t'as regardé. Enfin, combien d'épisodes t'as regardé. Mais bon. Après, Saint Seiya, changer de personnage, ça dépend de quelle série. Parce qu'il y a beaucoup de saisons qui se suivent. Saint Seiya Hades, c'est toujours les mêmes persos. Il y a, je sais plus, Saint Seiya G, je sais plus quoi. Donc, ah, t'as regardé la saison complète, d'accord. Ah, t'as quand même fait l'effort d'aller jusqu'au bout. Bon, bah, j'ai pas trouvé de briques. J'ai pas trouvé de briques, mon poteau. Cimenterie. C'est pas à la cimenterie qu'il y a... Attends, change de camion. Arrête-toi, on va faire nos petites emplettes en solo. Alors, cimenterie, c'est à la cimenterie qu'il y a des... qu'il y a de quoi créer ce qu'on prend. Ou je me suis gouré, c'est l'entrepôt plus loin. Ah putain, ça se trouve, c'est l'entrepôt plus loin. Ah, c'est l'entrepôt plus loin où il y a ce qu'il faut. Merde. Bon, on va essayer de passer par là, mais ça va être coton. Hein. Très coton. Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait le gros trou là pour traverser. Je vais encore foutre mon camion en l'air avec ces conneries. Hein. Ouais, d'accord. J'attrape le seul arbre qui est un ficus. Hein. Sans déconner, c'est incroyable ça. Merci beaucoup. Ah, je sais pas si je fais une bonne OP là.
Faudrait que je retourne à la cimenterie après, mais j'ai pas regardé du coup ce que je pouvais créer. J'ai été un peu débile. Parce que si ça se trouve, c'est pas les mêmes produits. Ah ok, j'ai tapé Gundam Seed sur Google et j'ai vu un robot qui ressemble à Goldorak, c'est pour ça. En vrai, quand on regarde les images, ça a l'air pas mal. A voir si je peux trouver les épisodes de Gundam Seed. Bah, normalement, ils se trouvent facilement. Hein. C'est la série la plus connue de Gundam. Normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est la plus connue. Ouais. Les openings sont assez qualitatifs aussi. Si t'aimes les openings de manga, ils sont assez classe. Les musiques finissent par te rester. Tuyau moyen. Zéro, d'accord. Allez, viens voir. Il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il faut pour construire quoi? Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Les SS Omega, c'est différent. Ouais, voilà, Omega, c'est ça, d'accord. T'as quelques personnes en commun, mais tu les vois deux minutes, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Du ciment. Dalou bloc, il faut du ciment. Bon, bah voilà. Au moins, on est sûr. D'accord. Il faut du ciment. Perso, je me suis arrêté à s'asseyer à Hades. J'ai même pas fini Hades, moi, ça m'a... Je suis vraiment pas fan de Saint Seiya. J'aime beaucoup le style, mais je trouve les combats assez débiles. J'arrive pas à... Les mecs se font défoncer la tronche pendant 10 minutes et après ils se réveillent avec leur instinct, là, je sais pas quoi. J'ai du mal avec Saint Seiya. Pourtant, y a un sacré style et un sacré truc à faire avec, mais je me rappelle déjà plus des premières saisons. Bon, après, je les ai un peu redécouvertes avec le jeu Saint Seiya Soldier Soul, je crois, sur PS4. Mais... vraiment pas fan de tout ça. Hein. La fin de la S1 et S2 est magnifique. Ouais, multi-pique. Je sais pas. Honnêtement, je sais même plus à quel moment je me suis arrêté à Hades. Je les ai regardés sur Netflix. J'ai lâché. J'ai lâché, ça me passionnait pas assez, même s'il y avait un certain style. Brique. Ciment. Bah, on va le laisser aux trois quarts. Hein, parce que si je trouve un truc de brique. Pfft. Alors, je veux bien que tu retiennes mes roues, mais peut-être pas à ce point, mec. Hein? Alors, 3 briques. Bon, je sais pas si je vais en retrouver une dernière qui traîne. Ça serait bien. Je sais pas s'il m'en faudra pour la suite, mais au moins ça sera pris. Au pire, je peux les ramener de la première carte, mais ça va être très très loin. Alors, à moins qu'il y en ait en bord de carte. S'il y en a en bord de carte, ça peut être jouable. Mais d'ailleurs, SS Omega, c'est la suite d'Hadès. Plus ou moins, ça reprend certains personnages, mais les armures de bronze restantes ont été transmises à d'autres chevaliers. C'est pas que des femmes dans Omega, ou c'est un manga qui a ça? C'est un manga, d'accord. C'est Saint Seiya G, non? Je sais plus quoi. Non, je sais plus, je confonds. Tu me le retournes pas, s'il te plaît. Merci d'avance. J'en ai eu assez de retourner pour la journée et la semaine entière. Voire le mois. Je pense que là, on va s'en passer très nettement. Alors, là, il y a du bois.
Ouais. Et je dis que j'en avais rien à secouer du bois, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Je crois que mon camion, il est un peu plus loin là-bas. Donc je vais m'arrêter ici. Allez, fais les derniers mètres, s'il te plaît, là. C'est fini, c'est bon. Je suis au bout de là où je voulais aller. Voilà. Alors, du coup, il me faut bien du ciment. Il y en a 4. Il y en a 5, je veux dire, j'en prends 4. Oui, tu as allégé et bien d'autres, d'accord. Les épilotes sous Love Gold. Base sur les chevaliers d'or est pas mal. C'est possible. Alors, où est la cimenterie? Ouais. Par là d'où je viens, quoi. Pas tellement d'autres passages. On va pas trop traîner pour éviter de vider l'essence. Oh, je suis pas serein. Oh, je suis pas serein. Alors, on livre. On fabrique des dalles, des blocs. Des blocs, c'est beaucoup moins gros. Et on charge. Des blocs. 4 blocs, 3 briques. Il me reste une brique à trouver. Au pire, si je la trouve autrement. De toute façon, mes autres camions ne seront pas pleins. Donc, ça sera toujours ça de livrer. Et les cabanes, va falloir que je reconstruise des cabanes après. Donc, il me refaudra des rouleaux pour construire des containers de fret et des maisons en bois. Il y en a dans le coin. Ok. Plus les 10 cabanes à transporter, à charger dans cette connerie d'entrepôt, je sais même pas comment je vais faire. Vu comment ça a merdé tout à l'heure pour en mettre 10, je sais même pas si je. Non, je vais pas le faire ce soir, il est déjà 3h du mat. Non, je vais seulement faire la livraison ce soir, les blocs là. Peut-être que je les transporterai, ça sera fait. Mais je les chargerai pas, c'est mort. Regarde ton sigle en armure d'or normale et après en soul, tu vas voir. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, pas mon signe, je sais, moi c'est Scorpion. Un site pour AD CSS Omega. SS Omega. Ça y est pas sur Netflix? Je crois qu'il y a Hades, mais je crois pas qu'il y a. Je crois pas qu'il y a Omega. Sinon après il faut aller sur les sites, de toute façon tu tapes SS Omega Streaming au pire, hein, puis tu trouveras. Hein. Parce que les sites, étant donné qu'ils sautent un peu toutes les semaines, tu peux que faire comme ça. Hein. T'as bien du mal, poteau, là. Comment ça se fait que tu galères à ce point?
Ah, j'ai bientôt plus de place dans mon boîtier, saloperie. Bon, je pense qu'il y a encore quelques gigas, je me rappelle plus combien il y en a. De toute façon, je vais livrer ça. Ça va faire quasiment deux trucs entiers, il me restera plus que les tuyaux. Ah, les tuyaux, faut quand même que j'aille chercher des trucs. Des trucs à droite ou à gauche. Je sais même pas où je suis. Si, tout droit. La vache. Ça y ressemblait pas. Hein. Waouh, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Hein. Bon, y a pas de maison en briques dans le coin. Hein. Chier. Bon, bah j'ai trouvé. Tu vois, ça va vite. Hein. Tu tapes un truc, généralement tu trouves. Hein, mais... J'ai repris le site que j'ai trouvé pour Ad-Initial D, Yatou, Hades, Omega, Soul of God et Last Canva. Oh, Last Canva, je sais plus, je crois que c'est pas... C'est pas hyper quali, je crois, Last Canva. Je suis pas sûr, après, vu que c'est pas mon truc, je ne jugerai pas. Je suis refait. Initial D, j'adore. Ouf, oh, j'y crois pas, encore le rocher de tout à l'heure. Non! Fais chier. Fais chier, bordel. Tu t'es retourné avec quoi là? On avait déjà passé le rocher. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. C'est pas des containers, ça? J'ai pas eu de mission, du coup. Ça se trouve, c'est des containers de fret qui pourraient me servir, ça. C'est peut-être des containers de fret qui pourraient me servir, tout ça. Il y en avait au moins deux. Je sais pas s'il n'y en avait pas un long des chemins de fer. Il y en a plein, là. Ah, mais si ça se trouve, il y a moyen, là. Hein. Faudra peut-être que je regarde avec la dépanneuse là que je vais emmener, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Si ça se trouve, je peux me récupérer les containers de fret ici pour les cabanes. J'aurais même pas besoin de les construire. Il me restera le bois qui est un peu plus loin. Oh, j'y crois pas. J'ai encore béné. Ah, t'as le droit de mettre des liens, normalement oui. Hein, t'as bien vu. J'espère que je risque rien à partager ça. Et chier, il me manque une petite brique. Hein. Une petite brique et c'est tout. Hein. Ici, il n'y a pas de brique, hein, c'est du métal là. Allez go, après faut faire partir la dépanneuse. J'espère aussi. Normalement c'est pas moi qui l'ai partagé, ça devrait aller.
Quand je vois ce qui s'est passé avec le message de Goku, hein, ça devra aller, hein, j'espère. Parce que sinon, dans ce cas-là, faut arrêter tout de suite. Mais tourne, bon sang. Bon, on va livrer que 3 briques. Je sais même pas s'il y en a sur cette map des briques. Hein. J'ai flippé quelque chose d'énorme. Oh la vache. Bon, va falloir que je... Va falloir que je fasse une pause pour nettoyer ce qu'il y a sur le truc, là, parce que sinon j'aurai plus de place. C'est chier, ça. Il faudra que j'achète une carte plus grosse un jour. Allez, ça c'est livré. Ça, c'est récupéré. Je me téléporte, je fais une pause de seconde. Allez, on est parti, on reprend. On va aller sauver l'autre. Oh, bordel. En plus, il est quand même loin. Hein. Donc il y a des briques tout en bas. Ouais. Ouais, on traverse la flotte ici. Ah, c'est quasiment là où je traverse la flotte. Ah ouais, d'accord, c'est là où je fais les missions. D'accord, là où je fais les missions, il y a moyen de choper une brique. Ouais, c'est pas très loin. C'est pas très loin, il y a une brique là-bas, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on pourrait aller la chercher là-bas. Pour faire la dernière brique. Ouais. Sinon, un peu plus haut, vu que je vais aller chercher des trucs. Ah, il y en a un peu partout, ouais, tout en haut. Ouais, d'accord. Ouais, je vais voir où est-ce que je vais aller chercher. Tout en bas, ça pourrait être intéressant, mais je crois que j'ai pas de chemin rapide. Quoique si, puisque c'est depuis ici. Si, je suis à côté, là, donc quand je vais y revenir, je pourrais y aller. Je prends la voie de chemin de fer et je passe devant. Eh ben, on va faire ça. On va aller chercher du métal, des rouleaux tout au-dessus. On va revenir ici les convertir en tuyaux moyens. Et on passera prendre une brique au passage. Ça me paraît intéressant. Et là, du coup, c'est des containers à récupérer ou pas? C'est un peu plus loin. Ok, bon, bah, on verra ça après. Salut Albator, comment tu vas? Enfin, comment tu vas, on s'est vu tout à l'heure, mais...
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Est-ce que ça va mieux? Ah là là. À ton avis, où est-ce que je me dirige avec un camion grue? Ah bordel. Ah, il y a des containers ici, hein. Il y en a au moins un, deux. Je crois que j'en ai vu un troisième là. Quatre là-bas. Ouh, 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 ouh. Ouh, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y aura moyen d'aller en chercher et puis d'en ramener à l'entrepôt là pour les stocker de côté. Ouais, on va faire ça. Hein. Un mot carnage. Non, on a fait pire tout à l'heure. Bah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'était ridicule là. Bon, je vais quand même ramasser un camion qui est par terre, hein, mais on a fait bien mieux cet après-midi. Et encore, tu n'avais même pas tout vu. Ça sent de la récupération, ouais, ouais, c'est ça. On va faire du recyclage. Ah, il y en a encore un là de container. Eh ben, il y a les 5. Il y a les 5 pour construire les maisons, les cabanes. Bon. J'aurais pas le temps de les construire, déjà le temps d'aller chercher le matos qu'il faut pour les blocs. Enfin, pour les tuyaux, les briques et les blocs à ramener, là. Si j'arrive à retourner le camion, je sais même pas où il est, toujours. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. L'objet du délit est là. C'est parfait. Si mes ressources n'ont pas disparu non plus... Parfait. Première étape faite. Pas ce que je veux faire, hein. Ça m'énerve, j'ai pas les boutons. Hein. J'ai pas les boutons en tête, j'ai du mal. Hein. Deux mots, petit carnage, d'accord. Ah là là. C'est très très amusant, vraiment. C'est très très amusant. Les angles qui coincent, elles ne se rapprochent pas. C'est très très fun. Très très fun. Très très fun. Tu peux soulever, s'il te plaît, tu es une grue lourde. Les dalles de béton, ça va, tu devrais peut-être faire ton affaire, non?
Voilà. Petit roulé-boulé. Oh, léger, léger. Je sais pas s'il y a des joueurs Assassin's Creed Valhalla, mais dans le jeu, il y a un jeu de dés très sympa. Je vais pas tarder d'être un jeu d'Assassin's Creed, je pense. Un joueur d'Assassin's Creed. J'ai bien aimé les deux premiers, entre guillemets, ceux qui lui ressemblent. Et ça me tente quand même bien. Allez, on va essayer d'aller livrer ça sans accroc. Tu te fous de ma gueule, sérieux? Sans accroc, le mec, il a même pas fini son mot qui est déjà en train de se cracher. C'était à deux doigts. Hein. C'était à deux doigts. Ah, il y a peut-être moyen que je les charge en plus les deux, les cinq containers d'un coup. Au pire, j'en mettrai un par-dessus et puis basta. Hein. C'est bon. Ah bah écoute, tu vas avoir déjà un Immortals Phoenix Rising d'abord, je pense. Je pense qu'Assassin's Creed ça attendra parce qu'il s'était déjà sorti. Puis bon, vu qu'il est pété de bugs, en espérant que pas Phoenix Rising, mais bon, on sait jamais, hein, c'est du Ubisoft. Ça se trouve, j'aurais pu prendre la route qui monte pour aller directement là-bas. J'ai peut-être fait une connerie, moi. Valhalla réussi à détrôner Black Flag qui était mon préféré. Ah, c'est pas le même genre. C'est pas du tout le même genre. C'était déjà le vieux gameplay Black Flag. Et puis Black Flag, c'est les pirates quoi. Ah, ça c'est. Il est énorme ce jeu. Il est énorme. Après, je pense que c'est un mauvais Assassin's Creed, tout le monde le dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il était bon au niveau jeu de bateau? Mais par contre, pour le jeu qui pourrait le détrôner, là, chez Ubisoft, Skull and Bones. Ça sent très très mauvais. Je crois qu'il y a le directeur ou je sais pas quoi qui s'est barré ou qui a été foutu à la porte. Ça sent mauvais. Hein. Depuis le temps que le jeu est repoussé, repoussé, repoussé. Ça sent très mauvais. Je suis déçu à ce niveau-là. Hein. C'était un des jeux que j'attendais le plus sur cette gen, je crois, Skull and Bones. Pour justement faire quelque chose de différent d'Assassin's Creed. Tout en restant dans les pirates et malheureusement. Ça a l'air foutu. Et toi, tu as joué alors, Namaster, visiblement. Donc c'est tu l'as adoré. Et t'as déjà réussi à le finir? Il est sorti il n'y a pas super longtemps, je crois, si. Si, le 13 peut-être, quelque chose comme ça. Allez, les blocs de béton, c'est fait. Maintenant, on va finir les tuyaux et les briques en même temps. Et on aura fini déjà toute la première partie de la mission. Ça fait plaisir. Il restera ces foutues cabanes à la con. Oh, j'ai pas envie de le faire parce que je sais que ça va planter. Je sais que ça va per... Je sais pertinemment que ça va planter. C'est ça
qui me fout les nerfs. Même s'il y a moyen, mais ça va être très chaud. Voilà.